donnez-moi les mémojis. Il faut du Harry, RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche, j'prends virage à droite, mais j'ramène le produit, il gauche. Mais Sun, mais bah 22 c'est le meilleur et 12 aussi ce sont les meilleurs pour en parler. Le commandant nous a envoyé un rapport. Bon, tu sais très bien quand vous faites des conneries, ça tourne, etc. Tu t'es mis dans une merde. Et comme je te le dis, honnêtement, t'as raison ce que t'as dit, c'est bien fait pour leur gueule. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Ça, je le sais. Moi, j'aurais dit la même chose, mais je l'aurais pas dit devant eux. Ok ? C'est vrai. C'est comme ça, au moins tu sais, ne dis pas ça devant eux. Mais vous avez vu mon rapport concernant le truc ? J'ai vu. Mais j'ai vu que Isaac n'a rien fait pour vous. Ouais, Isaac il a rien fait du tout, il m'a laissé. Pour les Vagos, vous avez aucune piste, c'est ça ? On a une piste. On a une petite piste en tout cas, mais faut encore la creuser. C'est Vertugo. En fait, c'est pour ça que si vous voulez, hier c'est parti de ça. C'est quand j'ai vu Addison traîner avec les Ballas. J'ai fait la réflexion, elle a commencé à s'exciter. Ses potes ont commencé à faire les borders et c'est parti de là. Et puis j'en ai profité du coup, j'ai profité de la situation pour commencer à la titiller un peu. Parce que je vous explique, moi mon but avec Addison, c'est de lui mettre la pression x15. C'est-à-dire que dès que je la croise, je vais lui faire comprendre que je suis toujours derrière son cul. Pour qu'à un moment, elle craque. Parce qu'il y a un moment où elle va craquer. Il y a personne qui est au courant. À part... Non, parce qu'en fait, je vous explique, c'était pas prévu que le commandant vienne. Là, ouais, mais le commandant est venu, t'as mis une sortie. On aurait été tous au courant. Enfin, au niveau de l'état-major, je parlais du commandant. Ça serait, les choses seraient peut-être passées différemment. En fait, je vous explique vraiment. Hier, j'ai abusé. Vous me connaissez, franchement, ça aurait été con quand même de penser que moi, Mason, je lâche des dingueries comme ça, du jour au lendemain. Mais il fallait que je le fasse. Et tu vois, c'est ça le problème. C'est ton problème. C'est ça le problème. Et c'est ça que tu dois même pas te donner de caractère. Et les sanctions que tu vas ramasser. Ils le savent très bien que je suis derrière leur cul. J'ai une enquête à ces quatre. Je vais me faire un malin plaisir à leur passer les menottes. Pop. Et un agent de police s'est balancé. Bon. Là, le problème avec Lyon. Mais Isaac, Isaac, sans vouloir lui manquer de respect, c'est quand même un trouillard. Et un suceur. Non, moi le truc qui m'énerve actuellement, c'est qu'on est trop. On est trop semi comparé aux gangs là. Moi, je vais vous dire la vérité, capitaine. Ce que j'ai dit, c'est ce que tout le monde pense le au plus bas. Mais bien sûr. J'ai juste porté mes couilles à leur dire en face à face. Ce que vous avez dit, je le pense très très clairement, mais je garde ça pour moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. En fait. Là, vous êtes un jeune policier, vous comprenez toujours pas les répercussions que ça peut avoir. Mais capitaine, vous êtes d'accord avec moi. C'est notifié dans mon rapport. Tout ce que j'ai dit, c'est rester très poliment, très courtois, et j'ai rien fait de mal. J'ai dit simplement ce que je pensais, comme si on était dans un débat. C'est eux qui m'ont frappé. Vous savez pourquoi ils m'ont frappé ? Parce qu'ils savent que j'ai raison. Le commandant veut une sanction, je suis obligé d'en mettre une. Moi je pense que franchement il faudra attendre le commandant ce soir. Parce que le commandant il m'a pas pris dans le bureau, il m'a dit que je devais dire mon baratin, je cite mon baratin, ce soir. Là trop tard, là il nous a prévenu, c'est trop tard. En discussion état-major on a déjà tout vu. C'est trop tard. Attendez, là je comprends pas là. Donc non, c'est pas méchant ce que je veux dire. Mais ça veut dire que du coup vous avez écouté ce que les autres ont dit, moi vous avez pas pris mon rapport, vous avez pas pris ce que... Oui, mais là votre sanction... Là je suis en train de faire. Ouais, non, mais d'accord, mais là, j'ai beau dire ce que je veux, la sanction, elle est déjà prise, du coup. Crois-moi que l'état-major, tout l'état-major, là, on va en parler dans même pas deux minutes, oui, on en reparle après. On va en reparler, c'est sûr. Lui, on lui a donné la toute dernière chance de sa vie. Il s'améliore, tu vois. Lui, il s'améliore. Il prend les critiques qu'on lui donne, il s'améliore. Toi, t'es bien en détective. C'est ça qui est bien pour toi, tu vois. Je pense que ça me servirait de leçon. Parce que vous le savez, en plus, à la détective, il y a une grosse enquête. Vous savez que j'aurais kiffé être là-dedans. Je pense que ma sanction là, c'est de me virer le truc. Maintenant, me mettre mise à pied, je pense pas que ça soit la meilleure des choses, étant donné que j'ai été très courtois, très poliment, je le répète assez souvent, je le sais, mais j'ai manqué de respect à personne. C'est eux qui m'ont frappé. Notez que pour moi, ma sanction, ça serait d'être viré de la division, mais de garder mon service. Je suis prêt à faire des patrouilles et à faire de la route s'il le faut. Et de regagner votre confiance et de revenir après à la division. On note ce que tu nous as dit, y'a pas de soucis. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Mais où, frère ? Je crois qu'on était à la West Coast ou quoi ? Oui. En plus, il a fait la réflexion avant même que je vous ouvre la bouche. Mais t'as terminé ? Non, je l'ai terminé, frère. Je te jure, la vie de ma mère, l'autre, il aurait pas dit. S'il y en a un encore qui ouvre sa gueule, il prend un blâme, j'aurais lâché une dinguerie. Devant le bureau. J'aurais lâché une grosse dinguerie. J'aurais dit, moi, je tiens pas les couilles du commandant. Mia, ouais. Jayden. Et c'est tout. Maintenant ? Et Hakim. Non, après votre paye, vous nous attendez devant le bureau. Ah là là, Grette et PDS, bordel de merde. Ouais, c'est bien. Quelque chose. J'aurais dû le lâcher, frère, mais j'aurais pris un blâme.
J'aurais pris mon meilleur blâme. Je crois que t'as failli lire cousin. Je suis déjà dans la merde, frère, je peux pas encore me foutre dans la merde. Hey. Putain. Tu suis pas des PDS, toi aussi c'est pareil. J'en ai marre. Bah alors, je veux mon argent. Je veux mon fric. Je veux mon bif. C'est à moi. Donne 10 000 ? Je suis officier. Et alors ? Et alors ? J'ai eu la même paye en tant que cadet alors que j'avais des blâmes. Allez. Ouais, il manque les PDS et les. Il manque les PDS, avec les PDS, on sait pas voir tes horaires. Ça rajoute combien les PDS ? 5 000. 5 000, même plus. Même plus. Mais j'ai la même paye qu'un cadet. T'es officier 1, officier 1 et... Je suis dépité. Je suis dépité. Ma vie est une pute. Ma vie, c'est de la merde. C'est pas possible. C'est même pas par nous. Parce que je t'ai dit, 52. Moi, je m'en fous qu'ils crèvent. Moi, je suis même content pour moi parce que, sans pour vous manquer de respect, monsieur procureur, ils abattent tous les jours des gars de chez moi. Ils abattent des effectifs à moi. Ils nous lynchent, etc. Qui crèvent, je suis content. Mais moi, je m'en fous. Je suis d'accord avec vous. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Et voilà. Ça se dit comme pas. Je l'ai dit, ça le dit. Comme je l'ai dit, ça se serait pas dit si j'aurais dit que c'était des gros fils de pute et que j'étais grave heureux qu'ils soient morts. Sauf que là, je l'ai dit ultra bien. J'étais ultra poli et j'ai jamais lâché bien fait pour eux. J'ai simplement lâché que 6000 os. Non, parce que le commandant, ils lui ont donné une mauvaise version. Moi, il m'a pas demandé c'était quoi ma version. C'est pour ça que j'avais fait le rapport pour le commandant. Parce qu'il m'avait dit de préparer mon rapport. Malheureusement, le commandant veut quand même une sanction obligatoire. Même si tu vas parler, il va quand même te mettre une sanction. Crois-moi qu'on a allégé. Hein. On a vraiment allégé. Parce on que a déjà vraiment allégé. Ah, de ouf. On a allégé de ouf. Tu serais déjà viré. Hein. Ouais. Juste. Alors, je vais dire ta sanction, c'est un jour de mise à pied. Du coup, pour ce soir, tu prends pas ton service. D'accord. T'es hors service ce soir. Tu peux aller en civil, tu fais ce que tu veux. Détective, tu restes détective. Ok. Mm-hmm. On a besoin de toi dans la section détective, même ton préférant a besoin de toi. Tu te rends pas compte que tu es utile dans les détectives. Tu te rends toujours pas compte. Ce soir, mise à pied... Horrible. Et 2 heures de paperasse. C'est tout, 52. Voilà. Après demain, du coup. Donc demain, je pourrais prendre mon service. Voilà. Oui. Okay. C'est ça. Et un petit tips, c'est pas parce qu'on est mis à pied qu'on peut pas faire des choses. Ouais, quand tu fais partie de la détective, va fouiller. Profite-en. Détective division. Une autorisation, ça veut Sache que sur la section détective, tu es le seul pour l'instant que Tyrone accepte dans sa section. Et tu sais très bien que même si on est mis à pied et que derrière tu reviens en nous disant capitaine, j'ai gratté hier, j'ai été mis à pied, j'ai gratté masse info. Ça peut être que du plus. Donc, vous me confirmez que je peux faire des petits trucs. Mettez pas. Alors. Déjà, on va être clair, tu nous préviens pas. Mmh. Voilà, tu fais des ça trucs, dans ton courant. Coin. Juste, je nous dis pas. Juste le lendemain, quand tu vas dire le rapport de ta soirée hier, même si t'as pas de rapport, parce que t'es mis à pied, tu vas nous dire voilà quelques informations en plus. Ok, donc on va faire comme si on avait jamais eu cette discussion et je vais faire comme si dans ma petite tête. Et le rapport de ce que tu auras entendu, tu le mettras dans ton rapport de. Par contre, les armes de service, on les dépose. Ouais, on les dépose. Ok. Tout. Ok. Oui, tout. Tu peux y aller. Sois prudent, Mason. Merci. Oh, ça fait du. Elle a du rire sur ses talons. Elle me dit qu'elle va mal. Elle veut que ce soit son médicament. Ouais, mais ça, parfait. Je mets ça, vas-y. Vas-y, tu voulais parler de quoi? Par où je commence? Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, on est d'accord. J'ai un truc à te dire. Oui. Non, j'ai demandé plus. Quoi? Non, vas-y, j'écoute. De quoi? Non, vas-y. Non, dis-moi quoi tu penses d'abord. Non, mais vas-y, je pense à rien, frère. T'as demandé plus de quoi? Ok, j'ai demandé le plus d'avis possible masculin que je pouvais. J'en ai eu 3 et ils m'ont tous dit la même chose. D'accord? Ouais, vas-y. Ok, bon, je suis amie avec un magos, il va dire à tout le monde que je suis sa femme alors que je lui dis que je suis avec toi et que si je te le dis, bah ça va très mal se passer et il m'appelle ma fleur. Ma fleur? Ouais. C'est qui? Pisto. Pisto, c'est le même qu'avant. Ouais. Ok. On y va? Quoi, c'est toi? Ouais, vas-y, viens. Bah, t'es un biker, je croyais que t'allais t'énerver. Non, ouais, mais non, je m'énerve pas, moi. Ah, il aime bien Bachir. Alors, Bachir, c'est pas de la fautive, hein? De quoi? C'est non, vas-y, monte. Ouais, mais... T'es prêt? Vas-y, je vais devoir pleurer toute la route.
Attends. Je vais devoir pleurer toute la route. Bah ouais, toute la route, ouais. T'es obligé. Vas-y, putain. Je vais juste demander c'est qui déjà. Ça va, Snow? J'ai pas le choix d'aller bien devant. Toutes mes convalescences, en tout cas. Condoléances. Condoléances. Ouais, toutes mes condoléances. Convalescences, condoléances. Et c'est qui, du coup? C'est Darius, on m'a dit qu'il y avait un deuxième. Minos. Quoi? Minos? Ouais, bref, Minos. Je crois que c'est pas le moment de parler de... Force, force à vous, en tout cas. Merci. Vous marchez jusqu'au cimetière, là? C'est long, hein? Mauvaise idée, ouais. Ouais, c'est loin. Ouais, bon, on vous attend là-bas. Vas-y. Vas-y. Eh bien, on va direct au cimetière, c'est bon, frère. Genre, tu le savais pas. Bah, en RP, non, je le savais pas, en RP. Le mec, genre, tu le savais pas. Non, en RP, je le savais pas. Maintenant, je le sais. Ouais, mais toi, Paul. Eh, vas-y, twerk. Oh, mon Dieu. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Faut que je retire cette image. Vous me dégoûtez, frère. Vous me dégoûtez, sérieux. Je vous déteste. Chaque jour où je lance un live, je regrette d'avoir une communauté comme vous. Je suis dégoûté. Je lance des lives avec une boule au ventre. Voilà. Voilà la vérité, les mecs. Voilà ce qui se passe. Y'a pas de papillon violet, wesh. Je vous déteste. Je fais semblant. Je suis en dépression, les mecs. Je suis en dépression depuis bientôt 6 mois. Patron, et nous on croit pas trop à la chicha sous ballon. Tu te parles de ta démo, tu racontes que des